On espère vous offrir un bon match, mesdames, messieurs. Merci d'être là avec nous à RDS. C'est parti. Canadiens Oilers. Et Kulak fait une chute. Heureusement. Oh, quelle réaction de Petrie. Il a tout de suite flairé le danger. Dano reçoit le Jeans qui a un bon tir. L'erreur initiale, c'est Kulak. Lorsqu'il tombe, fin seul. Mais regardez de la façon dont on a appliqué de l'échec avant. Et à deux contre deux, on n'a jamais maîtrisé ni Dano, ni Tatar sur cette séquence. Les défenseurs à contre-pied. Est-ce que c'était Russell là-dessus qui s'est fait complètement contourner? Oui, absolument. Regardez Russell. Il tourne même du mauvais côté lorsque Smith donne un retour de lancer. Dano s'en empare et ouvre la marque. Voilà Cousins qui reprend. Et qui remet du côté gauche vers Kulak. Long jeu vers le centre. Oh, Lekkonen saisit bien. Et s'amène en regardant Kotkaniemi. Voilà ça, c'est la vie! Voilà ce que tu exiges souvent du jeune homme. Tire sur réception, c'est 2 à 0. Ben, clairement, au deuxième entracte, il écoutait les conseils judicieux de Vincent Danfousse. Lorsque la passe en transition est efficace, précise, on s'amène à 3 contre 2. Cousins fonce vers le filet, Lekkonen rejoint son compatriote, c'est un parti supérieur. C'est qu'il a su attaquer Nugent Hopkins, qui n'est pas un défenseur, s'en sert même comme écran. Parti supérieur. Et son tir est bloqué par Scandella. Et Gallagher qui reprend et vraiment, il a fait sentir sa présence ce soir avec cette passe. Voilà la rondelle qui revient ensuite à Nygaard. Oh, tiré le but! Quel beau tir de Sheahan! Price a été complètement surpris et dès la reprise, les Oilers créent l'égalité avec des joueurs de soutien. Là. Le quatrième trio des Oilers fait du bon travail, avait fait du bon travail lors du premier duel entre les deux équipes et c'est Sheahan cette fois-ci qui trouve le fond du filet. On a perdu une bataille à un contre un le long de la rampe. Lekkonen vient pour mettre en échec Nygaard. Lorsqu'il est incapable de le faire, il ressort avec la rondelle. Ça devient un surnombre offensif. À Draisaitl. Long jeu vers McDavid. Nugent Hopkins tire. C'est 2 à 2. On voyait tout ça se dessiner tellement. Notre collègue Denis Gauthier l'a très bien illustré au deuxième entracte. L'échange entre Draisaitl et McDavid. La passe à 100 000 à l'heure, pour reprendre les propos de Denis. La passe à 100 000 à l'heure, c'est celle de Draisaitl et McDavid. Elle est là. Parce qu'on est en bonne position tout de même. Et l'ouverture, aussi petite soit-elle, il repère McDavid. La passe est parfaite pour Nugent Hopkins. Décoche un tir sur réception entre les jambières de Price. Battu de vitesse sur la séquence. La rondelle qui reviendra à Wheel. Et à la ligne bleue, c'est Russell qui passe à Clefbaum. Oh, le tir à la vue! Un jeu parfaitement synchronisé, celui-là. Alex Chiasson au bon endroit. Et c'est 3 à 2, les Oilers. La rondelle déviée par Chiasson dans l'enclave qui va toucher le poteau à la gauche de Price. Regardez le synchronisme, il est là depuis 7 passes. Et effectivement, le jeu était parfait. La déviation, vous l'avez vu dans le haut de l'enclave, la passe de Clefbaum à travers un écran double qui est créé par la présence de Mété et de Kaira. Parfaitement redirigé cette rondelle. La percée de Clefbaum a endormi la défensive du Canadien qui n'a pas été en mesure de réagir sur la séquence. Petrie passe en direction de Domi. Et là, c'est Weber vers Gallagher. Gallagher, il veut empêcher le dégagement des Oilers. Mais c'est Nugent Hopkins qui remet à Archibald. Et le but, le quatrième, qui va donner le coup de grâce.